Parce que mon nom est facile dans vos bouches. Tu n'as pas fait le lélé. Tu as fait le lélé. Tu es une lélé. Tu es une lélé. Tu as léché très bien en Suisse ici sur les trottoirs. Parentius clash copieusement Marthe Chopin après ses sorties sur l'affaire d'Achille Emana et Marie Claude. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai fait tout un direct pour soutenir Achille Emana. Ça, c'est clair. Sauf que le lendemain, j'ai eu des autres informations que j'ai vérifiées et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Bien entendu, on ne devait pas publier sa nudité, mais la dame que j'avais taclée a voulu s'expliquer. Ce que j'ai fait, je lui ai dit, écoute, ce que tu veux dire, viens le dire toi-même. Est-ce qu'elle a dit qu'il y avait la cohérence? Elle n'a pas menti. Marie-Claude n'a jamais menti. Et je ne veux pas être que je soutiens. Moi, je ne suis pas là pour soutenir, pour faire plaisir. Je vais être bien avec ma conscience. Nous sommes toutes des femmes. Quand un homme ne te veut plus, ou bien peut-être un homme, il faut voir d'abord, est-ce que Achille Emana lui-même est sérieux? Est-ce que c'est un homme sérieux? Depuis que moi j'ai commencé le live, c'est parce que je ne peux pas prendre des filles pour venir parler et détruire l'image d'un homme. Sinon, ce serait la catastrophe. Ce serait la catastrophe. Moi, j'ai refusé ça. Parce que ce n'est pas le but du direct. De ma page, le but était que on avait dit que Marie-Claude a publié son copain nu. C'est parti de là. Et j'ai dit non. Quand j'ai eu sa version avec des preuves, elle n'a jamais publié le monsieur. Et c'est vrai. Et ça a changé tout. Bon, maintenant, Marthe Zoua atterrit dans l'affaire comment? Parce que elle a son ami, sa soeur, Michel Essomba, qui tacle Achille. Bon, au vu de ça, elle porte ses pieds, elle part là-bas pour faire le yako. Mais elle arrive là-bas, elle filme la maison, elle filme le monsieur, elle filme à gauche, elle filme à droite, elle filme en haut, en bas. Nous tous, on a vu la maison, la vie d'Achille Emana sur les réseaux sociaux. Ce qu'on n'avait jamais vu. Tu pars dans une maison de deuil, au lieu d'aller pleurer, tu es là en train de filmer. Et là, j'ai trouvé ça indécent. Je suis venu lui dire deux mots. Elle n'a pas apprécié. Elle n'a pas apprécié. Elle a commencé à m'insulter. Juste parce que j'ai donné le truc. Elle a accusé Biscuit de mer. Elle a accusé Biscuit de mer, Coco Emilia, d'avoir publié les nudes d'Achille Emana pour empêcher Marie-Claude d'aller au deuil. J'ai dit que non, il n'y a pas la logique. Il n'y a pas la logique et c'est parti de là. J'ai dit que non, je ne peux pas me taire quand les gens font des choses qui ne sont pas bien. Ensuite, Marthe Chopin a commencé à m'engueuler. Parce que j'ai juste dit la vérité. Parce qu'elle, elle est contente de prendre la place de Marie-Claude avec sa fille. Mais j'ai seulement dit, maman, même si vous voulez prendre la place de quelqu'un, ne partez pas avec le ducal. Nous sommes des femmes. Parce que demain, quand le même Achille Emana va vous abandonner, on sera assis sur Facebook. Ça viendra nous trouver. Hein. Ça viendra quand il va vous abandonner là. Ça va encore nous trouver sur Facebook. Ça ne sera pas loin. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai parlé ici comme femme et j'ai lavé mes mains parce que j'estimais que je faisais partie de la première personne qui a parlé mal à cette dame. Et j'estimais que je devais venir expliquer. Bon, Marthe Chopin est venue là que avec les gros sabots pour m'insulter. On va l'écouter. Parce que moi, je dis toujours que quand tu commences à m'insulter, je réponds. C'est toi. C'est une histoire de deux couples. Un couple, une femme et un homme qui ont vécu longtemps. Tu viens entrer dedans et faire le bruit. Ok. J'ai vu, tu m'as d'abord traité de très laide. Considérons. Te voici ici, tu es trop belle. Vraiment, ma soeur. Te voici ici, là. Ça, c'est quand tu as fait le maquillage. Tu es belle. Tu as mis les lunettes. Tu es là, même, maman. Mais, on dirait un zombie. Moi, je suis naturel. Tout ça, il y a le filtre sur ça. Hein. Ça, là, c'est filtré. Zoa, c'est filtré. Ça, là, la photo, si. Il y a au moins 10 kilos de filtre sur ça. Te voici ici, là. Tu as sapé, là. Ok. Te voici. Ça, il y a le filtre. Ce n'est pas que c'est naturel. Moi, là, c'est naturel. Il n'y a aucun filtre. Je fais mes directs sans filtre. Il n'y a aucun filtre. Te voici ici, là. Hein? Dans la voiture, la femme des autorités. Bon, ça, c'est quand il y a le filtre. Ça, c'est quand il y a le filtre. Bon, on va voir quand il n'y a pas le filtre. Tu bagarres avec ta peau. Ta peau ne prend même plus l'huile. Tu as fait le maquillage jusqu'à la peau, refuse de lui. Mieux encore la peau de panne sang. Ta peau, on ne sait pas si c'est rouge, si c'est orange, si c'est vert, si c'est jaune. Au moins c'est la peau de Amerika, mais on voit quand même que c'est le jaune. C'est les boutons roux, noirs qui sont dessus qu'on voit. Qui a fait le sang? Oui, parce que ton sang n'a pas de couleur. Te voici ici là. Au naturel. C'est toi qui dis que tu l'aides. Te voici ici là. Moi, les peu, on peut se réveiller le matin. On se réveille le matin. Te voici ici là. Où tu étais avec le bébé? Où c'est le bébé de qui? Où c'est ton bébé? Où tu venais d'accoucher? On va partir pas à pas. On va se parler ici aujourd'hui là. Te voici ici là. Au naturel. Avec le maquillage de 100 000 kilos, te voici ici. Au naturel, hein? Ça c'est au naturel. Sans rien, sans filtre, sans rien. On sent que ta peau a déjà bagarré avec tous les yeux du Cameroun. Tous les yeux du Cameroun sont passés en test sur ta peau. C'est toi qui dis que tu es belle. On va t'écouter. Parce que vous êtes toujours là, dit que la barre. Moi, là, je suis naturel comme tu as vu là. On me met, toi et moi, devant un homme, tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas. Même le mariage a dépassé en Suisse. Hein? Tu gagnes le veuvage parce que les lois sont claires en Suisse. Moi, j'ai consommé mon mariage jusqu'au bout. J'ai consommé mon mariage jusqu'au bout. Je ne me suis pas marié, j'ai divorcé et je suis parti attendre la lâcheté. Parce que ce que tu as fait, c'est la lâcheté. Ce que tu as fait, c'est la lâcheté. Tu ne vivais plus avec ton mari. Il vivait avec une femme, mais il n'était pas divorcé de toi. Or, la loi ici dit que quand tu n'es pas divorcé,
Quand tu meurs, on reconnaît celle qui est légale. C'est clair. Mais tu es dans la lâcheté et tu nous te pompes les oreilles. Vraiment, je suis même avec des 2400 euros par mois. Mais vraiment, si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas cela. Ok. On va t'écouter. Après, je vais te parler très bien. On va se parler ici, là. Comme toutes les femmes suisses. Tu as dit que je suis veuve comme toi. Ok, on va parler en tant que veuve. La seule veuve qui n'a jamais débordé en Suisse. Mais les photos de Genève, là. Tu as fait ça, je suis sur PC. C'est vous qui venez parler aux gens. Ça, c'est crédit. Je suis allé voir ça sur Congo, ça. Parce que moi, je ne suis pas tes directs. Je suis allé voir ça sur Congo, ça. Parce que les gens m'ont targué dessus. Je suis allé regarder. Je suis allé regarder. Tout ça, toi, tu es dans le noir, le filtre. Bon, me voici ici, là, en maillot de bain. Comme tu es trop belle, là. Le temps, le corps est comme mon visage. Ça veut dire qu'il n'y a pas trois couleurs. Toi, là, avec tous les kilos de filtre, là. On est là. Tu n'as pas d'identité. Hein? La parole, tu as quelle identité? Et qui est? Tu as quelle identité? Moi, la baronne, elle n'a pas d'identité. On va appeler les gars, la baronne, t'as la même, mais il faut d'abord qu'elle me se lave. Hein? Elle veut déposer sa mère sur moi. Okay. Tu as vu l'enfant? Hey, j'ai vu l'enfant. Tu as vu l'enfant? J'ai vu l'enfant, tu es très belle. Maman, tu es belle, hein? Maman, tu as fait les affaires. Te voici, j'ai vu l'enfant. Maman, c'est les lunettes que tu vois. Les lunettes chinoises, les chinoiseries que tu vends là. Voilà les lunettes posées. On dirait qu'elle est dans un film d'horreur où on va l'attraper. Tu as vu l'enfant debout? Regardez ça. Mince, tu es belle, hein? Avec les robes de AliExpress sur toi. Tu crois qu'on ne sait pas où tu as fait tes choses? Ça, c'est pas les robes d'AliExpress que tu as sur toi. Là. Tu crois que tu as l'impression qui? Tu as mis 5 kilos de filtre, même comme ça là. Tu ressembles à quoi? Un gros facochère. Tu es comme un facochère, madame. Tu es comme un facochère. Sans état. Tu te prends pour qui? Tu as la hasard le filtre. Mets-toi en vrai comme moi là. Sans filtre. On se pose. Surtout quand un homme se réveille sur toi le matin. Il pose la question qui dit qu'il fait quoi la vieille merci. Il faut quand la vieille merci. Voilà, la peau que tu as vue là, c'est la même partie. Il n'y a pas un kilo qui a soufflé quelque part. Que oh, tu n'as pas d'identité. Je m'appelle la baronne de Suisse. Et ça ne souffre de rien. Une baronne reste une baronne. Tu as compris avec quoi? Tu t'appelles qui? Tu appartiens à qui? Moi, tu as vu, j'ai mis le nom de mon mari. Tu as toujours la chopa. Laisse le monsieur ne plus respirer. Tu es même venu faire la muscade. Est-ce que tu devais prendre même la rente là? Tu ne vivais plus avec le monsieur. C'est la dame qui vivait avec lui qui devait prendre la rente. Mais comme tu es venu en embuscade, tu as pris. Donc quand tu prends comme ça, tu restes tranquille, tu ne déranges pas les oreilles des gens. Le monsieur mort, il était avec toi? Non. Ça, c'est une veuve en embuscade. Tu ne mérites pas cette rente là où tu fais le bruit tous les jours là. Tu ne mérites pas ça. Le monsieur ne vit plus avec toi. Il ne vivait plus avec toi. Donc quand tu parles, on dirait que tu mérites même la rente là. Tu ne mérites pas. Tu étais là dehors depuis. Que oh la baronne. Nya, 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 nya. C'est toi qui... Regarde, il y a 10 litres de filtre là sur toi là. Te voici ici là. Regardez. Joie, te voici ici. Tu ressembles à quoi? Te voici en vrai. Te voici. En vrai. Sans filtre là. Merde. La peau a déjà subi toutes les opérations chirurgicales de l'huile. Même ta peau là ne parle plus parce que tu l'as torturée avec l'huile. Le diamant a déjà fait l'aller-retour sur ta peau. Et toi qui parles comme ça. Donc, ma mère, c'est bien. Donc, tu as la climatisation chez toi, mais c'est bravo, ma puce. Bravo, ma soeur. Je me fais du bien. Je suis chez moi, dans une chaise royale, avec la climatisation en haut. Maman, est-ce qu'on va encore respirer? Donc, tu es la seule qui a la clim au Cameroun, quoi. On voit les parvenus, les grosses villageoises. Ma toi, tu me fasses consulter ta maison là trois fois. Tu as compris avec quoi? Tu as travaillé en Suisse. Tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est la bordelerie. Et vendre les chinoiseries. Tu en as fait quoi? Les tontons de Genève, tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas bordé à Genève? Tu m'as vu dans des conneries là? Vous voulez arracher le monsieur, arracher le gouvernement, ne dérangez pas les gens? J'espère que Achille Manassé, que toi tu es la plus belle amitié de quelqu'un ici. Hein. Et c'est ce qui va arriver parce que toi là, tu es une sans confiance. C'est que tu es une sans confiance. Tu avais publié la nudité ici de Carole Abena. On t'a accusé ici là d'avoir publié la nudité de Carole Abena. T'as voulu vous n'avez pas suivi ce qu'on pour casser tes petites dents là. Tu as fui. Tu te rappelles non? C'était pourquoi tu peux parler de la nudité? Mais toi, tu en as publié quelqu'un ici. On t'avait accusé d'avoir publié la nudité de Carole Abena ici là. C'est toi qui veux donner les leçons aux gens. Oh, tu viens. Devant, en bas de ma clim. Oui, en bas de ta clim. Maman, est-ce que j'ai la clim? Elle est en bas de sa clim. Il y a la clim chez elle. Une villageoise. Hey, tu étais en Suisse, tu as vécu en Suisse, ma chérie. Quelles sont ces manières du village là? On parlait de la clim dans une maison. C'est quelque chose de normal. Au Cameroun, c'est normal que tu aies la clim. Que je suis assise en bas de ma clim, dans ma villa, sur ma chaise royale. Maman. Ok. Je ne savais pas que tu es aussi villageoise. Hein? Tu es très villageoise. Tu crois que j'ai besoin que de la carte de ma vie sur les réseaux? Tu m'as même déjà vu like. C'est rare que je vienne sur ta page. Donc tu viens. J'ai pas dans les pages, les noms des gens. C'est rare que je vienne sur ta page. Donc tu viens t'amuser souvent sur ma page. Mathieu, quand tu passes ton temps à marcher pour chercher le Congo, le Tchotchori là, c'est rare que je passe sur ta page. Donc tu passes quand même sur ma page. Tu passes quand même pour te promener. Ok. Comment faux profil? Devant moi, tu es un faux profil parce que tu n'as pas d'identité. Tu n'assumes pas ce que tu es. Ah, maman, je suis qui, maman? Où tu dis qu'Achille est malin? Mathieu, c'est qui? C'est mon nom. Ah ouais? Moi, pour prononcer son nom, la langue va d'abord couper. Mathieu,
D'accord? Je te dis. De Genève, tu partais chercher les clients au trottoir pour monter avec, pour nioxer. Les patouzes que vous faisiez quand les clients vous demandaient là, toi, Matouza, tu n'as jamais fait la patouze, le corps de la femme que tu regardes là. Parce que c'est facile pour vous de toujours nous expliquer que tu veux me lécher. Maman, tu as fait la prostitution pendant des années sur les trottoirs de Genève. Et nous connaissons on sait que les clients demandent beaucoup de choses. Tu n'as pas souvent fait que même quand le client veut deux, trois, tu prends les filles, vous montez en haut pour satisfaire le client. Ok, quand vous partez, vous deux, vous trois, avec un seul homme là, tu ne vois pas les filles la nuit. Hein? Tu n'es pas habillé, mais ça tu es nu. Vous appelez ça quoi? C'est facile de toujours devenir saluer les autres. Tu t'es propre sur les trottoirs de Genève, sans état d'âme. Tu as fait les grosses parties par rapport aux clients. D'accord? Bon, par rapport à ça là, quand tu prenais tes soeurs, tes frères, ou bien tes amis pour monter, pour satisfaire le client, vous étiez en train de faire quoi? Si le client veut toucher, vous, je regarde parce que je n'ai pas la force. Tu n'as pas fait ça. Parce que c'est facile de venir toujours me salir. Parce que c'est mon nom qui est sûr que mais je vais. Oui, il va être vrai. Maman, tu ressembles à la là. Ta peau, quand on te regarde, on sent que l'odeur qui dégage de ta peau, de ton visage, c'est la même qui dégage en bas. Donc je ne peux même pas. Toute la prostitution faisait à Genève là sur les trottoirs là. Hein? Tout le bordé là. Tu n'as jamais fait les patouches pour faire plaisir aux clients. Quand tu vas regarder ta camarade femme se déshabiller pour faire plaisir aux clients, vous appelez ça quoi? Parce que c'est facile toujours de venir nous insulter ici là. Hein? Nous on connaît. Les clients sont capricieux avec leur argent. Parfois, ils viennent, ils n'ont pas la force. Ils disent que prends ta soeur, vous venez. Faites-le. Vous dansez. Tu danses, ils disent que vous touchez. Vous appelez ça quoi? C'est le travail, non? Tu appelles ça quoi? C'est pas l'élé. Donc, quand vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas l'élé. Quand vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas l'élé. Hein? C'est ça? Hein? Ouais, je ne peux pas faire comme ça. Mais je ne peux pas faire comme ça. Vous faites ça en cachette. Vous faites ça dans les chambres avec les clients. Quand vous sortez, vous lâchez, vous sortez, vous insultez tout le monde. Une bonne partie de tes bagarres en Suisse, c'est le bordé. Parce que tu prends l'argent, tu ne peux pas payer tout le monde comme il faut. D'accord? Donc quand tu viens me dire que je suis l'élé là, tu es l'élé double. Double plus. Tu trompes seulement les hommes. Il faut leur dire que tu t'es baladé bien sur les trottoirs de Genève ici là. Tu marchais quand le client vient, il veut deux filles. N'est-ce pas? Est-ce que tu refuses le client là? N'est-ce pas? Tu appelles la collègue, vous montez en haut, ensemble. Vous appelez ça quoi? Quand tu parles de ta camarade, vous êtes venu là-bas, vous faites quoi là-bas? C'est le voie bébé. Quand les mains se baladent là, tu appelles qui l'élé? Ce que tu as fait sur les trottoirs là, c'était quoi? C'est facile de venir toujours me salir. Oh, la baronne, on sait que tu veux me. Non, si tu veux me lécher, ce n'est pas toi, Matezoa. Tu ne passes même pas à côté des critères. Parce que quand il regarde la peau de ton visage, il sent que ça sent d'abord quand tu transpires. Tu vois, non? Donc, quand une femme est comme ça, elle avait sa peau qui a la guerre d'abord. Elle a dit que le visage, il y a la guerre. C'est facile de venir dire que tu es l'élé.
sont de Genève là. Les clients sont capricieux. Quand quelqu'un a son argent, il demande ce qu'il veut. On sait que les Moukala parfois n'ont pas la force. Mais il veut seulement regarder. Tu as refusé un client comme ça. Toi, là, qui aimes l'argent là. Il va te dire que non, prends celle-là. Quand d'abord la voiture gare, là, c'est la bagarre générale. Quand une voiture gare, vous bousculez pour prendre. Quand il dit que viens, tu dis que ma soeur vient, ouais, c'est 500. On donne 500, vous montez. Vous montez. Quand tu montes avec elle là, c'est quoi? Vous appelez ça quoi? Parce que mon nom est facile dans vos bouches. Tu n'as pas fait le lélé. Tu as fait le lélé. Tu es lélé. Tu es une lélé. Tu as léché très bien en Suisse ici sur les trottoirs. Tu as bien léché propre sur les trottoirs ici en Suisse. C'est tout. Tu es une erreur de nature. Je ne sais pas dans la haine, moi, je sais. Je suis une erreur de nature. Mais je vais dire comment. Au Cameroun, le Cameroun là. Au Cameroun ici. Le Cameroun ici là. Tu m'as insulté, je vais toujours porter plainte. Même un franc, tu ne l'aurais pas. Tu peux aller. Même si là, le juge ou ne sait pas quel procureur a dit que je dois payer 10 millions, même un franc. Même sans, dit à mes enquêtes, dit que même un rap, elle n'aura pas. Elle parle des 3 millions qu'on a condamnés pour diffamation au Cameroun là. Elle dit que c'est son pays, ce sont ses oncles qui ont le Cameroun. Que M. Sang n'aura même pas un kiko. Donc M. Sang, même si elle est tu n'auras pas. C'est ce qu'elle dit, non? C'est ce qu'elle dit. M. Sang, il faut même faire la mise en demeure. Est-ce qu'elle a toujours l'argent? Hey! Que même si elle est elle ne paye pas. C'est ce qu'elle a dit. Que le pays les appartienne. Même un femme. Oui. Tu n'auras pas. Hein? Non, tu sais, M. Sang. Il dit ça, M. Sang, comment? Voilà ça que je lui dis, gars. Je ne sais pas. M. Sang, même si elle tu n'auras pas. Elle se balade comme elle veut dans ce Cameroun. C'est le pays de son père et de sa mère. C'est elle qui a le Cameroun. Elle est très proche de toutes les autorités. Vous êtes qui? Elle parle comme elle veut, quand elle veut, à qui elle veut. Et puis ça ne chauffe même pas. Mais moi là, tu me parles. Je te lave et puis il n'y a rien. C'est toi qui veux rester en marais, c'est toi qui veux bonder sur le trottoir. Est-ce que ça marche? Le monsieur s'est fâché, il t'a mis dehors. Il t'a mis dehors. C'est toi qui veux le mariage, c'est toi qui es douillé là. Même quand tu as le mariage, la position ne te laisse pas. Le monsieur dit, hé, faut sortir. Va continuer la bordelée. Tu as continué, non? Tu as continué, mais le monsieur, comme il était dessus, il ne s'est plus remarié, il a vivé avec une concubine. Et puis après, quand il est mort, puisque c'était toi qui étais encore légalement marié, n'avait pas encore divorcé, normalement c'est toi qui touches la rente. Il n'y a pas de débat. C'est normal. Donc tu es une veuve en embuscade. Tu ne veux même pas l'ouvrir. C'est comme ça que ça est. Mais ça ne choque pas. Allez donner l'argent aux avocats pour porter le marché à la haute vite. Même chose que madame, je ne peux pas payer 100 millions. Oui, c'est le pays de ton père. N'importe quoi. Et là, je suis le manager, tu vas voir madame, je ne pas. Achille Manal, le privilège de s'asseoir avec Matou Chopa, il a eu le privilège. Maman! De s'asseoir avec Matou Chopa pendant des heures pour causer. Achille Manal a eu le privilège de s'asseoir à côté d'une boque de Matou Chopa pour causer pendant 3 heures. Maman, tu ne te prends pas pour 5 francs. Hein? Tu ne te prends pas pour 5 francs. Hein? Mais ce, tout un lion indomptable a eu le privilège de s'asseoir à côté d'une grosse facochère comme ça là. Jusqu'à elle, elle nous pompe l'air qu'il a eu le privilège de s'asseoir à côté d'elle. Tu représentes quoi au Cameroun? Tu es qui te connaît? En ordre d'aller faire les pieds de devant le bureau pour recevoir et faire 2-3 photos. Tu représentes qui au Cameroun? Moi là, je vois comme tu m'as vu devant le bureau de quelqu'un au Cameroun. Parce que je ne marche pas derrière les autorités. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Moi, quand l'autorité va me voir, hein, soit il m'invite chez lui. Tu ne pars pas dans les bureaux des gens. Tu ne pars pas dans les bureaux des gens. Tu passes autant à te promener de bureau en bureau. Pour chercher ce qu'on te reçoit, tu fais une photo. Et vraiment, moi je suis une autorité. Quelle autorité qui te considère au Cameroun? Qui te connaît au Cameroun? Qui te connaît au Cameroun? Soit personne. Je ne sais pas pourquoi vous prenez sur les réseaux sociaux. C'est toi qui crois que tu es très très grand, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout au Cameroun. Hein? Il ne faut pas que le filtre là te trompe. Dans la vraie vie, là, sûr que quand quelqu'un est assis à côté de toi, au Cameroun, il fait chaud là, les gens transpirent là. C'est l'odeur des mouches qu'on voit. Voilà, et ta peau, avec tout ce que ça subit, quand tu transpires là, la peau n'a plus de fond. Parce que la peau, quand tu as pris à l'école, la peau a des, comment on dit, des rétentions et tout et tout. Donc quand la peau a été tellement agressée, quand tu transpires, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Donc sûr que, hein, quand il y a la transpiration sur toi, les odeurs sont même pas gérables. Oui. Avec toutes les maisons closes. C'est-à-dire que tu as abordé ici, là. Tu travailles dans un immeuble à Genève. Tu prenais les clients pour toi, tu montais avec. Vous étiez sur le trottoir. Et c'est toi qui viens m'appeler de Lélé. Tu n'as pas fait des patouses là pour les clients à Genève? Et vous êtes là à salir Lolita. Ça soit avec Patouche pendant des heures pour causer. Hein? Je ne vais pas appeler parce que c'est pas bon, c'est pas non, je ne vais pas appeler pour le reste, je vais l'appeler, je serai à 9h. Mais on s'en fout que tu l'appelles ou pas. La grande soeur et moi, la voyage, la médecine que tu as vu, la grande soeur, elle n'a invité chez elle. Les vraies personnes suivent, les vraies, je t'ai dit que les vraies personnes, les vraies femmes, les vraies dames, les vraies personnes, toi tu es qui? Oui. Quand le showbiz, tu veux te monter, tu descends là-dessus, tu vas lécher tout le monde, quand c'est que tu lèches. On est ça? Ah non, le showbiz là, je monte, je descends, je suis qui? Je vais lécher tout le monde, là, le showbiz, maman. Mon travail, c'est donc depuis 25 ans là, je marche des exercices, ma plaie. Hey, ma toussoir. Donc c'est tout ce que j'essaie de faire dans le showbiz. Mon travail, c'est de chercher ça. Et les artistes n'ont jamais dit ça quoi. Donc je suis tellement désespéré.
Dans le chauve, tu montes, tu descends, tu cherches à lécher, et j'ai gagné. Maman, c'est quoi, c'est le chocolat? C'est le yaourt? Donc, c'est même, donc mon travail, c'est de se mettre chercher pour lécher, lécher. C'est le yaourt, c'est le chocolat? C'est un travail? Bon, je le dis. Dis à tes followers ce que tu faisais sur le trottoir de Genève. Tu n'as jamais léché, non? Ok. Dis-le le travail que tu faisais sur le trottoir de Genève. Tu m'as vu sur le trottoir de Genève? Tu n'as, il faut jurer que tu n'as jamais partagé le client. Tu n'as jamais partagé un client avec tes soeurs sur le trottoir. Tu appelles ça quoi? Tu appelles ça quoi? Il y a les clients qui viennent, ils veulent 3-4 filles. Tu n'as jamais fait ça? Tu bordes, tu as abordé à Genève? Toutes les maisons closes que tu avais à Genève là. Tu sais, tous tes problèmes en Suisse viennent de ça. Vous avez écouté dans cette vidéo Lolita la Baronne qui très remontée contre les sorties de Marthe Chopin, l'indexant sur l'affaire de Achille Emana et Marie-Claude. Elle a décidé de répondre tout en crachant ses vérités à Marthe Chopin car les deux se connaissent très bien depuis la Suisse. Baronne Suisse nous informe que Marthe Chopin dénigre Marie-Claude depuis parce qu'elle cherche à placer sa copine Michelle Issumba à Achille Emana. Baronne Suisse répond à Marthe Chopin qui a dit dans sa précédente sortie que ce qu'elle a au Cameroun comme villa dépasse tout ce que la baronne a comme bien. Baronne dit qu'elle peut construire ce que Marthe Chopin appelle villa à Oja en un laps de temps. La baronne Suisse nous révèle que Marthe Chopin a passé sa vie à faire le waka en Suisse pendant qu'elle est fréquentée. Aujourd'hui, Marthe Chopin cherche à faire la concurrence avec elle. Baronne Suisse appelle Marthe Chopin veuve par embuscade parce qu'elle était déjà partie de la maison de son mari Chopin jusqu'à ce dernier vivait déjà avec une autre femme pendant que Marthe Chopin était dans les rues de Genève pour faire le waka. Baronne Suisse dit que elle et Marthe Chopin sont toutes deux veuves et ont bénéficié des pensions de leur mari, mais la loi suisse qui protège Marthe Chopin, elle n'était plus là quand son mari décédait. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.